Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Alors, aux trahisons, dit le capitaine Moussa Dadis Camara au général Koka Diallo. L'exil forcé après l'attentat du 3 décembre 2009 n'a pas changé le tempérament du bouillant capitaine Dadis Camara. Le président du tribunal, Ibrahim Assori de Tunkara, et les conseillers de l'accusé ont eu du mal à le maîtriser à la barre. Lorsque Maître Alpha Amadou Désba a parlé des discours creux de Dadis, au lieu de s'emporter, il aurait par exemple pu faire référence à l'un de ses discours. Nous sommes nous-mêmes des impérialistes, c'est une malédiction qui nous frappe à cause de notre malhonnêteté. Avant de déclarer le capitaine Moussa Dadis Camara dans un discours au cours d'une rencontre avec les investisseurs évoluant dans le secteur des mines. Il va résilier les contrats dans le secteur et assurer que la signature des nouveaux contrats ne s'efface plus dans le bureau du président de la République ou au ministère des Mines, mais devant la commission chargée de la révision des conventions pour plus de transparence devant le peuple. Alors, Dadis Camara a menacé de porter plainte contre le général Koka Diallo, son ministre des Commerces, pour haute trahison dans un épisode du Dadis Show parce que ce dernier était impliqué dans un trafic d'influence au profit de sa fille pour le transport d'hydrocarbures chez Total. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés et restez à la chaîne. Partagez avec vos amis si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.